Écoutez-moi les amis, j'ai pris une décision. Je vais dire à Andy qu'on est vivant. Attention Woody, c'est dangereux. Salut Andy, c'est moi Woody, ton meilleur ami. Ça fait le... C'est pas mal. Aujourd'hui, on va parler de Toys, un court-métrage grandement inspiré par le film Toy Story de Pixar. C'est pas dans ce film où il y a un jouet cow-boy qui essaie d'assassiner un jouet astronaute pour l'amour d'un mineur ? C'est ça. Un grand classique de Dingo Pictures, connu pour leur collection de plagiat de films assez gargantuesque. Pour en citer quelques-uns... Aladdin, Pocahontas, Atlantis, dont on a déjà parlé, Hercule, Der König der Tiere. Et oui, Dingo Pictures, c'est allemand. Et c'est vraiment super parce que, vu que c'est pas loin, on a le droit à une VF absolument délicieuse. Salut. Allez, poubelle. Et avoir un doublage français sur un film aussi éclaté, c'est assez rare pour être souligné. Alors merci l'amitié franco-allemande. Volkswagen. Le film s'ouvre sur Pino, qui ressemble à Oogie Boogie, mais version chaussette à branlette. Le jouet préféré de l'enfant. Oui, l'enfant. Il n'a pas de prénom. Oui, c'est vrai que l'enfant n'a pas de nom, mais c'est normal, c'est parce que j'ai oublié. Les jouets sont composés d'un jack-in-the-box terrifiant, d'un téléphone sans touche, d'un coussin à barbe, de machin que t'en piles là, d'une Game Boy en érection, et d'un skateboard un peu wesh qui s'appelle Roller. Oui, en fait, c'est parce que j'ai confondu entre un skateboard et un roller. Évidemment, comme dans Toy Story, les jouets sont inquiets, car c'est l'anniversaire de l'enfant et ils ont peur d'être remplacés. Et vous le savez, dans Toy Story, quand un humain rentre dans la pièce, les jouets arrêtent de bouger. C'est la seule règle à respecter. Mais Dingo Pictures, c'est la Dutch Qualität. Ils en ont rien à branler des règles. Ils se pointent pépouze à l'anniversaire et tapent la discute avec l'enfant pour voir qui est le nouveau jouet. Oui, les jouets parlent avec les humains. Mais c'est parce que je n'ai pas vu le film. On n'avait pas le budget pour la cassette. Vous savez combien ça coûte une VHS ? Et puis il faut rembobiner à chaque fois. Un vrai bordel. Mais c'est ça le cinéma. Arrive le nouveau jouet. Pampère, il faut bien s'en occuper. D'abord, il prend son bain moussant. Et puis, on lui nettoie le cucu. Ensuite, on le rassure. Ensuite, on lui roule dessus avec la voiture pour achever la créature. Vous pouvez ensuite le placer au congélateur et le tour est joué. Pampère, le bébé qu'on a envie de congeler. Donc le nouvel arrivant s'appelle Pampère, avec sa magnifique tache de dégueulis. Et il devient très vite le jouet préféré de l'enfant, qui visiblement est un lutteur géorgien de 44 ans. Relayant Pino au rang de jouet oublié sur le banc de touche. Pino est tellement attristé par la nouvelle qu'il décide de sucer son pote le nuage magique. Il s'enfuit finalement le soir même, sans prévenir ses amis. Dehors, il faisait nuit noire. Les rues étaient désertes. Ah, tu vas fermer ta gueule ! Il fuit jusqu'à se retrouver en face de poubelles vivantes. Ok, les poubelles sont déjouées. Qui lui disent avec un accent de tenancière de bar des années 20 qu'il ferait mieux d'aller à la décharge comme la vieille merde que c'est. Ce jouet est tellement usé qu'il arrive tout seul chez nous. Il devrait déjà être parti à la décharge depuis longtemps. Le réverbère rapprocha sa tête pour mieux entendre. Non mais le lampadaire est vivant, les poubelles aussi. En fait tout est vivant quoi. Hey, mec. Ou viens poser tes miches moelleuses sur ma tête, mec. Hey, mec. Toi, t'as mangé mexicain, mec. Pino arrive à la décharge et s'endort sur un vieux canapé. Il se fait réveiller par le propriétaire de la décharge, probablement pédophile, qui lui propose de rester et de travailler pour lui gratuitement. En fait, je m'appelle Michel. Pino est ravi d'avoir trouvé une nouvelle maison, mais ses amis lui manquent. Terriblement. En parlant de ça, je me demandais si tu penses que je pourrais rentrer chez moi avant de... Non. S'il te plaît, reste. Pendant ce temps, les jouets se rendent compte que Pino a disparu. Mais où est passé Pino ? Ils partent à sa recherche et le retrouvent. Ah, ok. C'est tout ? Non, c'est pas tout, mais c'est un peu compliqué. Tu vas pas comprendre. Oh, ça va. Je suis pas plus con qu'un autre, hein. Page 6. Ok, ok. Comme tu veux. Alors, Jumping Jack dit que quand il a peur, il se cache dans sa boîte. Mais il se rend compte que Pino n'a pas de boîte. Alors il propose à Roller, qui est un skateboard, de regarder sous le lit. Mais Pino n'est pas sous le lit. Les cubes regardent dans leur boîte si Pino n'y est pas. Mais Pino n'y est pas. La Game Boy fait un hélicoptère de tristesse en annonçant que le baluchon de Pino a disparu. Les jouets pensent qu'il est parti dans le jardin et décident donc d'attendre son retour pendant une bonne heure.
mais il n'était pas dans le jardin. La Game Boy lubrique cherche la direction GPS dans son jeu du trésor des pirates pour pouvoir localiser Pino. Ils partent tous sur le dos de Roller. Ils vont à la rivière, mais Pino n'y est pas. La Game Boy pointe la direction avec son majestueux joystick en disant que lorsque quelqu'un est perdu, il marche toujours tout droit. Il traverse la ville, à droite, à gauche, sur le trottoir, sur la route, jusqu'à tomber sur les poubelles vivantes. Il leur demande où est Pino, mais n'obtiennent pas de réponse. Alors il demande aux rats où est Pino, mais les rats s'en branlent. Alors Game Boy propose de partir à droite, mais Pino n'y est pas. Puis de partir à gauche, mais Pino n'y est pas. Puis au nord et au sud, mais Pino n'y est pas. Il tombe sur le même rat qui s'est téléporté et a changé de couleur, qui leur dit que Pino est juste dans la décharge en train de chialer. Il se dirige vers les pleurs et retrouve finalement Pino. Attends, mais il parle les jouets ? Ils rentrent tous ensemble à la maison, et Pino est si heureux de retrouver ses amis qu'il suce de joie le coussin. C'était Toys de Dingo Pictures, sorti en 96, donc un an après Toy Story. Mais c'est fou de voir une telle prouesse technique pour l'époque. C'est un truc de Dingo Pictures. Je veux dire, waouh, regardez ce design de skateboard. Et cette maîtrise du crayon de couleur dans les décors est bluffante, et ça ne dépasse quasiment jamais des traits. Et ça, on le doit à ce très grand monsieur, Jean Pinard. Bonjour, je m'appelle Jean Pinard. J'ai été directeur artistique et lead de décor sur Toys de Dingo Pictures. C'est Astronaute, là, le compagnon cowboy. Ça, c'est un beau personnage, ça. Et... Je sais plus à quoi il ressemble. Je peux avoir une référence? Eh oui, il a un costume. Hop, hop là. Voilà, avec les jambes, hop là. C'est le mieux personnage. Tu peux m'ouvrir une bière? Je le dis toujours ça. C'est Pixar qui ont copié, et ça personne le dit. Pourtant les films ils étaient sortis avant quand même. Ça coupe ça ou c'est... Faut le couper ça. Faut voir la chose dans son ensemble. Ligne bien droite. J'ai tendance à dire dans les écoles, trop de détails, hop. Et le plus important de la couleur, qu'est-ce que c'est? Il ne faut surtout pas dépasser des traits. Bon là ça dépasse un petit peu. On verra ça en post-prod. Et voilà, un décor qui fonctionne. Vous savez, moi, j'ai toujours tout réussi. Celui qui est... Pardon. On va la couper, hein. Pas mon vrai métier. C'est Bob l'éponge. C'est terminé, là, parce que c'est un peu long. J'ai des trucs à faire. Hey, salut, les jeunes. Et Dingo Pictures, c'est surtout des moments gênants, inexplicables ou même carrément flippants. Comme par exemple là, quand Pino erre seul dans la ville, il croise le chemin d'un fourgon de police et s'enfuit. C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies. Cette réalité, ce sont les forces du mal. Ouais, ça me ferait un peu bizarre que les jouets soient vivants quand même. Bah pourquoi ? Bah, s'ils sont vivants et qu'ils ont des émotions, c'est sûrement pas une bonne idée de les jeter comme des vieilles chaussettes. Étant dotés de sentiments, alors ils ont une place dans notre société. Et on devrait arrêter de les traiter comme des objets éphémères bons à être remplacés au moindre problème. Ce sont des êtres intelligents. Ça veut dire qu'ils sont capables de ressentir la douleur et la frustration. Et notre société de surconsommation franchit de nouvelles limites jour après jour. Qui nous dit qu'ils resteront silencieux face à notre cruauté? Et si les victimes devenaient les bourreaux? Ouais, c'est sûr que dit comme ça, ça fait un peu flipper, mais... Heureusement, c'est de la fiction. Oui. Enfin bon, oui... Ça arrivera probablement jamais. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner et surtout partager la vidéo, c'est très important. Et si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à partager la vidéo pour expliquer pourquoi vous la détestez. On a aussi ouvert un Patreon si jamais vous voulez nous donner un petit peu d'argent, c'est très gentil si vous le faites, c'est pas très grave si vous le faites pas, on vous aimera juste un petit peu moins. Évidemment, les vidéos resteront gratuites, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais faites-le. Et surtout, mettez un commentaire positif uniquement pour me maintenir dans l'illusion que ma vie n'est pas pathétique. Au revoir.